Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est écrit dans le titre, on va essayer de répondre à cette question en apparence simple. Qu'est-ce qu'un verre? En voyant la durée de l'épisode, vous vous doutez bien que la réponse n'est pas si évidente. Par expérience, si je pose cette question, il est fort probable qu'on me réponde en premier lieu qu'il s'agit d'un contenant à boisson, voire de la boisson elle-même. L'expression « aller boire un verre » n'étant pas une invitation à consommer le contenant. En cherchant plus loin, certains me diront qu'il s'agit d'un matériau transparent et cassant, utilisé pour les verres, les vitres et les bouteilles. Certains qui s'y connaissent un peu me diront même qu'il s'agit de sable fondu. Et ceux qui ont des problèmes de vue évoqueront certainement les verres de lunettes. Si on regarde dans un dictionnaire, on retrouve ces trois axes matériaux, boissons et pièces optiques, entre autres. Vous vous en doutez puisque c'est le thème de cette chaîne, la définition qui nous intéresse est celle du matériau. On nous définit le verre comme étant avant tout une substance minérale transparente et isotrope, obtenue par fusion d'oxyde avec des fondants et des stabilisants. C'est une excellente définition de ce qu'on appelle un verre d'oxyde, ce que monsieur et madame tout le monde appellent le verre. Mais avant de crier victoire en se disant que c'est bon, on a notre définition, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Le dictionnaire fait mention de verre métallique, ce qui colle pas trop avec ce qu'est censé être un verre. Parce que déjà, un métal, c'est pas transparent, et ce n'est pas directement obtenu en faisant fondre des oxydes. Du coup, voyons voir ce qu'ils en disent. Un verre métallique serait une substance métallique obtenue à l'état amorphe par un refroidissement très rapide d'un alliage à l'état liquide. On a là un terme très important qui apparaît, amorphe, qui vient du grec et qui signifie sans forme. Cette définition des verres métalliques me permet de mettre en exergue la différence profonde qui existe entre le sens commun et le sens scientifique du terme verre. Dans le langage commun, le verre, on l'a vu, c'est le matériau des vitres et des bouteilles, dont on parlera une autre fois. Scientifiquement, verre est un terme plus global qui reste aujourd'hui difficile à définir avec précision, bien qu'on maîtrise ces matériaux depuis des millénaires. D'ailleurs, ce terme peut s'appliquer à toutes les familles de matériaux. On peut avoir des verres d'oxyde, comme le verre à vitre ou certaines roches, des verres métalliques, des verres organiques, comme le polycarbonate des lunettes, ou même le caramel, qui est un verre de sucre, ou encore des verres de spin. Du coup, comment se définit un verre si ce n'est pas par sa composition, contrairement à ce que peut laisser penser le dictionnaire? Eh bien, revenons sur cette notion d'amorphe. Un matériau amorphe s'oppose à un matériau cristallin. Les atomes n'y sont pas organisés en mailles cristallines qui se répètent, leur arrangement est aléatoire. On retrouve cette notion dans la définition qui nous est faite des verres volcaniques. C'est avec cette idée que Gustav Tamann, un chimiste et physicien germano-balte ayant beaucoup étudié la question, établira une première définition scientifique du verre en 1933, introduisant par là même une nouvelle notion, en dictant que les matériaux solides et non cristallins se trouvent à l'état vitreux. Cette notion d'état vous parle peut-être, puisque vous avez certainement déjà vu en physique les trois états de la matière que sont l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Ces états sont caractérisés par trois paramètres qui découlent directement de l'intensité de l'interaction entre les constituants, que sont les atomes et les molécules. On a la distance entre les constituants, leur mobilité et leur arrangement ou ordre. Cet ordre peut s'observer sur plusieurs échelles. On le dit à courte distance pour le plus proche voisin, à moyenne distance quand on est à moins d'une dizaine de constituants, et à grande distance au-delà. À l'état gazeux, les constituants sont très éloignés, très mobiles et ne présentent aucun ordre. On dit que c'est un état non condensé, désordonné. À l'état liquide, les constituants sont plus proches, bien moins mobiles, et présentent un ordre à courte distance, mais rien au-delà. C'est un état condensé, désordonné. À l'état solide, les constituants sont proches, immobiles, et présente un ordre à toutes les échelles. On parle plus exactement d'état solide cristallin. C'est un état condensé, ordonné. Alors, où se place l'état vitreux là-dedans? Tamann parle d'un solide amorphe, ce qui impliquerait que les constituants sont proches, immobiles, et présentent un ordre uniquement à courte distance. Quand on regarde nos états, on voit que cette définition de solide amorphe permet aussi de considérer le verre comme un liquide immobile, figé. Et là se pose une question qui turlupine bien des personnes depuis de nombreuses années. Le verre est-il un solide ou un liquide? D'un côté, c'est bel et bien un solide puisqu'il a des propriétés mécaniques.
Mais de l'autre, il a la structure d'un liquide figé, si bien qu'un autre chimiste, Horst Scholz, définira en 1977 le verre comme étant un liquide surfondu, figé. Un liquide figé, d'accord, mais pourquoi surfondu ? Pour comprendre tout ça, partons de l'état liquide, comme le sous-entend Scholz, puisque la majorité des verres sont obtenus depuis l'état liquide. Prenons d'abord un matériau cristallin, disons de l'aluminium, et étudions comment varie son volume lorsqu'on le refroidit depuis la phase liquide. Il va diminuer suivant la contraction thermique jusqu'à une certaine température, où on va avoir un saut, comme s'il se contractait rapidement, avant de suivre à nouveau une pente moins marquée, correspondant au coefficient de dilatation volumique du métal. La température correspondante à ce saut, c'est la température de fusion du matériau à partir de laquelle il cristallise. En dessous, c'est un solide cristallin et au-dessus, un liquide amorphe par définition. Maintenant, que se passe-t-il si je fais ce même refroidissement depuis la phase liquide avec de la silice ? Eh bien, lorsqu'on atteint la température de fusion de la silice cristalline, rien ne se passe. La silice fondue, au lieu de cristalliser, reste liquide. On a ce qu'on appelle un liquide surfondu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la surfusion avec ces vidéos montrant de l'eau qui se transforme en glace dès qu'on la verse. Un liquide surfondu, c'est quand un corps devrait être solide, mais qu'il ne l'est pas, comme l'eau encore liquide sous 0 degré. Il est alors métastable et un rien suffit à démarrer la solidification, comme un choc ou une impureté. Mais pourquoi la silice ne cristallise-t-elle pas comme l'aluminium ? Eh bien, les interactions entre les constituants sont très grandes, ce qui limite leur mobilité. C'est ce qu'on appelle la viscosité, qui est le paramètre décrivant la difficulté qu'a un fluide à s'écouler. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cette notion ici, mais je pense que vous voyez l'idée. Le dentifrice est plus visqueux que l'eau. Voici un graphe montrant l'évolution de la viscosité de la silice avec la température. Alors si ça vous intéresse, on a en ordonnée le logarithme décimal de la viscosité parce qu'elle s'étend sur une large gamme de valeurs. Donc quand on a 2, ça correspond à une viscosité de 10 puissance 2 pascal seconde, soit 100 pascal seconde, qui est l'unité de la viscosité. Sur ce graphe, des produits comme les dentifrices, le beurre de cacahuète ou les pâtes à tartiner se placent aux alentours de 2. Ce qui veut dire que même fondu à plus de 2400 degrés Celsius, ce qui est extrêmement chaud, la silice s'écoule moins facilement que votre dentifrice. Aux alentours de la température de fusion de la silice, soit vers 1730 degrés Celsius, la viscosité est équivalente à celle du bitume, et je parle de celui sur lequel on roule, pas lorsqu'il est chauffé pour être coulé. On comprend bien que dans de telles conditions, il soit difficile pour la silice de cristalliser, ses constituants ne pouvant pas vraiment se déplacer. Si on reprend notre courbe de refroidissement de la silice, elle continue de suivre la pente correspondant au liquide jusqu'à un moment où on observe une inflexion, après laquelle la courbe devient parallèle à celle de l'état cristallisé. Le point d'intersection extrapolé des deux droites correspond à une température caractéristique qu'on a déjà évoquée. C'est la température de transition vitreuse. Cette transition très particulière, que l'on ne sait toujours pas expliquer en détail, correspond au passage progressif de l'état liquide surfondu à l'état vitreux. Cette transition vitreuse est caractéristique des matériaux vitreux et sera à l'origine d'une nouvelle définition en 1982 donnée par Jerzy Zarzycki, sommité en sciences des verres, entre autres professeur en sciences des matériaux à l'Université de Montpellier, et auteur de l'ouvrage de référence sur les verres, nommé « Les verres et l'état vitreux ». Dans son livre, il indique qu'un verre est un solide non cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse. L'avantage de cette définition, c'est qu'elle se défait complètement du procédé d'obtention, là où Scholz laissait penser qu'il fallait nécessairement passer par l'état liquide. On peut obtenir des verres de nombreuses autres manières, comme par voie gazeuse ou par voie chimique, ce que Mère Nature fait depuis longtemps. Mais on en reparlera plus tard. Bref, pour le moment, c'est la définition de Zarzycki qui est la plus acceptée, même si, comme souvent avec les matériaux, chacun fait un peu ce qu'il veut. Par exemple, certains font la distinction entre matériaux amorphes, matériaux vitreux et matériaux non cristallins, d'où la mise au placard de la définition de Taman, même si celle-là est déjà largement suffisante pour approcher ces matériaux si particuliers. Maintenant qu'on a notre définition, avant de conclure cet épisode,
J'aimerais aborder cette légende urbaine qui consiste à croire que si les carreaux des vitraux de certaines églises sont plus larges à leur base qu'à leur sommet, c'est parce que le verre s'est écoulé sous son propre poids au fil des siècles. Je vous le donne en mille, c'est faux. Pour s'en convaincre, estimons le temps nécessaire pour observer l'écoulement d'un vitrail grâce aux lois de la rhéologie, qui est la science des écoulements. Le temps tau nécessaire pour observer une certaine déformation est dépendant de la viscosité du matériau, évidemment de la déformation attendue correspondant à l'épaississement à la base du vitrail, et de la contrainte appliquée sur la pièce, en l'occurrence son poids, obtenu grâce à sa masse volumique, à sa hauteur et à l'accélération de pesanteur. La viscosité du verre à vitre à température ambiante, bien que difficile à mesurer, est estimée entre 10 puissance 22 et 10 puissance 49 pascal seconde. Prenons donc la valeur la plus faible associée à un meilleur écoulement. Pour une plaque de verre d'un mètre de haut et d'un centimètre de large, on observerait à sa base un épaississement de l'ordre du dixième de millimètre après environ 130 millions d'années. Juste pour un dixième de millimètre, soit l'épaisseur d'un cheveu. Sans surprise, les églises et leurs vitraux ne sont pas aussi vieux. La valeur passe même aux millions de milliards de fois le temps qui nous sépare du Big Bang avec 10 puissance 49 pascal seconde, ce qui n'est pas vraiment assimilable. Du coup, pourquoi observe-t-on cet épaississement à la base des vitraux? Parce qu'il existe quand même. Eh bien, ça vient simplement du procédé de fabrication. Si on sait facilement fabriquer des plaques de verre d'excellente facture depuis les années 50, avant c'était une tâche plutôt ardue. Le Moyen-Âge, où la seule grande technologie verrière disponible était celle des souffleurs de verre, a vu deux méthodes apparaître pour fabriquer des morceaux plats. La méthode du manchon, qui consiste à souffler un cylindre de verre, puis à le découper et l'aplatir tant qu'il est malléable, et la méthode de la scie, qui consiste à directement former une plaque en tournant le verre. Dans les deux cas, rien ne garantit que l'épaisseur ne soit constante, et c'est d'autant plus vrai avec la méthode de la scie. Et si on plaçait le côté le plus épais en bas, c'est pour une raison toute simple, c'est plus stable avec la partie plus lourde en bas. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on vient de voir quelque chose de très important. Les verres s'écoulent bel et bien comme des liquides, mais sur des échelles de temps bien supérieures au temps humain. Mais inutile de revenir demander s'il s'agit de liquide ou de solide. L'état vitreux est un état à part entière de la matière, avec ses propriétés et ses comportements qui lui sont propres. Pour finir, peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut obtenir de la silice cristalline, et donc du quartz, si la silice fondue devient systématiquement du verre à cause de sa viscosité. Eh bien, on passe par un procédé hydrothermal en autoclave, un peu comme dans la nature. Mais ça, on le verra une autre fois. C'est un procédé très lent, où il faut entre 1 et 6 mois pour obtenir un cristal comme celui-ci. Mais heureusement, la consommation mondiale de quartz synthétique n'est pas énorme. C'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode sur les verres, dont on aura bien sûr l'occasion de reparler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous ayez appris des choses. Moi, je vous dis à la prochaine.